du plaisir. Un nouveau parti pour le droit au plaisir. Voici madame Cindy Lee. Vous êtes sérieusement candidate à l'Élysée ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que j'ai vu effectivement cette semaine sur e-télévision votre interview où vous expliquiez que c'était pas d'ailleurs la première fois que vous présentiez à des élections. Oui, en 2002, j'étais candidate déjà au présidentiel. Candidate au 2001 au municipal ? Municipal 2001, oui. Et après, c'était présidentiel, suivi par les législatives et les cantonales en 2004. Je l'ai déjà vu, moi. Elle s'est usée, son truc. Je l'ai déjà vu à la télé. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 6 ans. Vous avez dû vous faire lister. C'est la sixième année, oui. Ça fait 6 ans. 6 ans que vous êtes dans la politique. Sérieusement dans la politique ? Je pense que le plaisir, c'est sérieux. Non, mais... Par exemple, est-ce que vous avez recueilli les signatures des maires ? Alors là, je suis en train de les chercher. Et d'ailleurs, je lance un appel aux élus. J'ai besoin donc de 500 signatures pour valider ma candidature. Hein. Vous voyez qu'ici, on a du mal à y croire. Oui. Il faut dire qu'on a rarement vu une candidate à l'Élysée en France, en tout cas. Je sais qu'il y a eu la Cicciolina en Italie, mais en France, on a rarement vu une candidate à l'Élysée dans cette tenue. Ben oui, mais pourquoi on n'aurait pas le droit de se mettre dans des tenues comme ça ? On est dans un pays qui se dit libéré, etc. Bon ben. Vous avez vu d'ailleurs, elle est en blanc comme Ségolène Royal. Oh non ! Oui, c'est pas la même tenue. Non, franchement, Éric Zemmour, non. C'est un peu plus coincé. Qui vous soutient, si j'ose dire ? Ben, nous. Ben voilà. Nous. Vous avez un comité, vous avez des militants avec Alors, vous on a, oui, on a des sympathisants, on a des militants. Des sympathisants mais, oui, des militants un peu partout dans la France. Hein. Des moyens financiers pour faire campagne ? Je ne cherche pas forcément l'argent, je finance moi-même mes campagnes. Alors, votre métier, c'est quoi ? C'est danseuse ? Oui. Stripteaseuse ? Oui. Oui. Et ce que vous voulez, c'est que les Français aient plus de plaisir dans la vie politique ? Et dans leur vie quotidienne ? Je pense que oui, que le plaisir joue... On vous voit là, par exemple, oui. Faire du... Oui, alors là, je faisais donc une action devant l'usine Total, hein, devant le siège de Total. C'est pas chez Alpha, monsieur Dumas, c'est chez Total. Voilà, voilà. Je regarde ce que vous nous proposez. Total a racheté Elf, donc c'est pour ça. Ben oui. En même temps, c'est pas désagréable, hein, je vais vous dire, mais... Voilà, mais... c'était contre, bien sûr, contre la pollution, et c'était pour un petit peu... C'était bien sûr une action symbolique, mais c'est pour montrer le problème de l'environnement, du réchauffement climatique. Moi, ce que je voudrais que vous me disiez, c'est, allez, je fais ça pour m'amuser, je suis une fantaisiste. Il y en a eu des tas de candidats qui ne sont jamais allés jusqu'au bout, mais qui l'ont fait pour effectivement faire marrer les gens. On se souvient même de la je ne sais pas comment on peut dire, comédienne ou une fameuse Marlène que Patrick Sébastien avait lancée aussi dans la candidature. Non, mais ça n'a rien à voir, Marlène. Ah, vous êtes sérieuse. Ah non, mais Marlène, elle n'a jamais fait de campagne à terme, elle n'a jamais financé aucune campagne. Vous étiez présentée contre Jean Tibéry dans le 5e arrondissement. Oui, c'était au départ, oui, c'était... Il a réagi comment, Jean Tibéry, à l'époque? Bon, je pense qu'il changeait un peu de trottoir, parfois. Vous dites, les maires vont me donner leur signature, parce qu'en échange, je suis capable de leur faire un striptease. Bah, je suis capable de me sacrifier pour la République, de donner. Mais la République n'en demande pas tant, je crois, quand même. Monsieur Dumas, vous ne pouvez pas donner votre signature, vous. Et si le faut, je me sacrifierai. Vous êtes apolitique, moi, ni de droite, ni de gauche. Oui, parce que moi, je pense que, bon, d'abord, la droite base un petit peu... la priorité première, c'est l'économie. La gauche résonne plus en termes de classe sociale. Moi, je place l'individu au centre de mon programme, parce que je pense que le bien-être de l'individu, c'est important. Ça fait partie de la mesure... La mesure vous première. Situez au-dessus des partis. Voilà. Oh non. Non, vraiment, alors celle-là. C'est pas bien, Michel Pollack. C'est pas bien. Non, mais sérieux. Alors, attendez. Vous avez un vrai programme, hein, je l'ai devant les yeux. Un emploi et un toit pour tous.
tout à fait. Enfin, vous dites un toit pour tous, pas tous sous le même toit. Non, non, ça serait difficile quand même. Un toit pour chacun, donc. Oui, oui, je pense aussi qu'il faut... Tolérance et respect d'autrui. Alors là, une mesure que je n'avais jamais lue, je vois dans un programme, lutte contre la malbouffe. Bon, très bien. Et vous proposez une taxation réduite pour les produits bio. Oui, tout à fait, parce que je pense que c'est important de faire attention à ce qu'on mange. Et les produits bio, ben, ça fait partie de la qualité de vie. Une sexualité épanouie pour tous. Tout à fait. On n'est pas obligé. Parce que je pense que... On n'est pas obligé non plus. Pardon ? C'est pas obligé non plus. Non, c'est pas obligé, mais... On peut choisir de ne pas, l'avoir épanouie si on veut pas. Et bien dans sa tête. Non, mais c'est... Bien dans son corps. Elle propose une éducation sexuelle pour adultes. Ça, je trouve ça intéressant. Ah, ça, c'est pas mal, oui. Et pour les plus jeunes, des cours de séduction. On n'en avait pas besoin, monsieur Dumas. Oui, alors... Des cours recyclés, toujours. Des cours de séduction et de confiance. Et alors là, vous allez plus loin. Ça, c'est plutôt juste la lutte contre les pratiques barbares telles que l'excision. Bon, ça, c'est pour la partie sexualité, on va dire. Et puis quelque chose qui va faire plaisir à monsieur Dumas, la création d'une véritable armée européenne. Ah, ben tout oui. À fait. Je souscris à ce programme. Oh, écoutez, ça fait du bien de se détendre à la fin de l'émission. Il faut se calmer, monsieur Dumas. Il n'a pas dit, mais on ne sait pas. Est-ce que vous avez accès facilement aux médias, à part chez nous ce soir? Est-ce que, par exemple, Arlette Chabot va vous inviter dans des débats? Non. Michel, je vous en prie. on verra avec... Est-ce que vous êtes pour le sexe dans les prisons? Oui, tout à fait. Ah bon. Je suis pour rénover les prisons et instaurer les parois sexuelles. Ben, il vaut mieux, non mais... Le cercle carcéral. Il vaut mieux ne pas y aller. Hein. Alors, et de toute façon, oui. Je suis plus pour utiliser les bracelets électroniques. Ah, oui. Pour le bracelet électronique, pour que oui, faire un peu plus de place dans les prisons. Ou les travaux d'intérêt public et même humanitaire. Alors, ça veut dire que là, vous êtes la candidate du Parti du Plaisir. Donc, il existe un Parti du Plaisir. Oui, tout à fait. Avec un siège. Avec un siège. Vous avez un QG. Oh, c'est pas bien, ça. Ça peut garder le G. Non. J'ai l'impression que Fabrice Luchini n'y croit pas, hein, que c'est un gag. Il croit à mort, mais je le connais. Fabrice. Il y croit à mort. Il n'y croit à mort. Il ne va pas me refaire revenir. Grave. J'ai jamais vu un truc qui ne finit pas à ce point-là. On est dans une errance à la Wim Wenders. On ne sait plus comment on s'appelle. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que là, il y a... Au niveau acte civique, de passer de ça au reste, on ne sait plus trop où on est. Mais surtout, on a l'impression que ça ne finit pas. Alors, on n'ose pas partir parce qu'on ne veut pas être mal élevé en même temps. C'est absurde d'être là encore. On ne pouvait pas laisser notre dernière invitée sans... C'est la dernière, madame. Ah oui, c'est la dernière. D'accord, on est totalement solidaires. Mais vous savez... On est là depuis très, très, très longtemps. Il y a eu des conflits, madame, il y a eu des intenses... dernière des dernières, je vous jure. Bon, d'accord. Mais d'habitude, on disait avec les agents, t'es pas obligé de rester, tu fais comme les stars, tu passes une dizaine de minutes. Alors on dit, d'accord, alors je veux bien faire cette émission. Mais là, ça fait 7h20 qu'on est là. Ça fait exactement 7h20. Alors je veux pas être méchant, mais il y a un moment qui fait qu'on perd même l'idée d'une image de soi-même. On avait déjà une image désespérée, mais alors là, c'est plus. On sait plus comment on s'appelle. Ça dure encore plus qu'avec votre prédécesseur. Alors un dernier mot, puisque ça intéresse directement Fabrice Luchini, la culture, votre programme. Non, excuse-moi. Votre programme culturel. Une demi-heure et ça fait 7h15. Oui, bah parce que bon, il y a eu des conflits entre la gauche et la droite. Il y a eu des vrais problèmes. Pollack a parlé de vrais livres. À un moment est arrivé une autre identité. On ne sait plus comment on s'appelle. On ne sait plus si les conflits étaient réels ou on ne sait plus si c'est la dame qui incarne la libido qui est irréelle. On ne sait plus ce qui se passe. Non, c'est pas la libido. Moi, je venais pour Molière. Tu comprends ? Je venais pour Molière et j'essayais avec... Mais il est très tard. On est là depuis 9h20. Fabrice, je crois qu'il faut lui faire lire le nouveau Monde amoureux de Fourier, par exemple, qui est une merveille. Le Phalanstère de Fourier, où il a prévu tout, même que les personnes âgées ne doivent pas être délaissées, qu'il y a donc des commandos de jeunes qui se chargent de les aider à avoir du plaisir. Ah, voilà quelque chose de beau, Fourier. C'est un...
c'est le délire absolu. De toute absolu. Façon, le plaisir, on le met partout, hein. Oui, oui, oui. Ouais. On le met... le plaisir. Pardon. Là, il y a des règles avant, je rappelle. Attends. Véronique Jeunesse s'est déréglée, elle aussi. Et Pollard dit un truc assez simple. Il parle de Fourier, qui est quand même un penseur d'une haute dimension. Et là, personne ne le connaît. Et la dame a répondu, on met le plaisir partout. Jeunesse a complètement été dans un dérèglement des sens rimbaldien. Pardon, écoutez, pardon. Fourier, vous voyez qui est Fourier? Non, mais c'est pas grave si vous savez non, pas non, qui est Fourier. Non, mais je disais que... Bon, moi, je crois que je ne veux pas partir parce que... Je voudrais pas être impoli. Nous avons terminé. Je voulais juste demander quel était le programme culturel de madame. Bah, le programme, il est assez simple. Une libido réconciliée. Un dépassement de du judéo-christianisme, c'est-à-dire on ne culpabilise pas de lâcher la semoule. C'est ça. Ça, c'est bien dit. Ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils brouillés de ces ciels mouillés pour mon esprit ont le charme de tes yeux qui ne sont pas du tout funèbres. Là, tout n'est qu'ordre. Les femmes jouissent par l'oreille, disait Durance. Là, tout n'est qu'ordre. Et voyez, je vais me faire engueuler par toute ma famille. Non, mais Ruquier, vous êtes... Ruquier qui a l'air humain. Ruquier est un pervers. J'avais juré que je resterais que 25 minutes. J'avais juré que je ne me lâcherais pas, que je parlerais que de Molière, éventuellement de Valérie. Maintenant, je suis avec cette femme. Parce Cindy, qu'on est épuisé. Véronique Jeunesse est épuisée. On ne sait plus comment on s'appelle. On voudrait simplement vous dire que dans un état de misère... Ça devient pas chaud. Je voudrais vous dire que Fourier... avait un programme. C'est un programme, non pas... Merci d'être venu. On termine l'émission. Écoutez... Merci. Roland, moi je vais me mettre à côté de vous. On a terminé ensemble. On remercie. On peut faire un bilan. On fait un bilan. Voilà, c'est terminé. On va souhaiter bonne chance. Merci madame. Bonne chance à Cindy Lee pour sa campagne présidentielle. À bientôt. Roland Dumas.